le temps. Je sais pas, faut demander à Sawan. Attends, j'ai un vieux PC, moi, il charge. D'accord, si c'est pas la connexion, c'est le PC, tout va bien. Bon, techniquement, moi aussi, c'est le PC. Hein. J'ai 40% des images perdues, ça monte. Ça a l'air d'aller. Ça monte jusqu'à 92% des images perdues. Mais je pensais que t'avais juste mis une image fixe. Non, on t'emmerde sur la Twitch. Oh mon dieu. C'est parfait tout ça. Je suis clairement pas dans le verre en tout cas. Donc s'il y a des nouveaux abonnés, on chante, c'est ça l'idée? C'est ça, oui. Est-ce qu'on a seulement des gens qui regardent le truc? Ça m'étonnerait, j'ai pas fait. Ouais, pour l'instant il y a moi. Mais attends, peut-être que je peux envoyer le lien à mon frère. Est-ce que t'es... Tu veux pas plutôt envoyer le lien à ton beau-frère? Non, c'est un connard. C'est bon, du coup, je t'ai envoyé le... T'es un connard, ce mec. Il va te faire foudre, rip. Je sais. Ah, en fait, Victi, est-ce que tu te doutes quelle est la chanson thème que je veux pour le combat pour mon perso? Non. T'es trop tard pour ça. Mais Super Moon, merde! Par Little Weimaris! Si on doit te rajouter une musique, il faut aussi rajouter une musique pour les autres. Moi c'est bon. Allez, plus sérieusement. Y'a que Jérôme qui a réellement fait sa fiche. Enfin, sa musique. De mon côté, tu sais, c'est un peu dur. Effectivement, est-ce qu'éventuellement est-ce que tu pourrais mettre le journal de tout le monde? Ça, je vais le mettre une fois la rencontre faite. Une fois la rencontre. Connais déjà Eole. Merde. Et je suis désolé, je suis une certaine célébrité dans un sens plus sain, c'est ça que j'ai oublié de faire, j'ai oublié de mettre mes talents de vigilante. Attends un instant. Je fais juste un truc, ça va vite. Ça commence bien. Bah disons. Oh putain, l'image est. Tiens, tu la vois. Et minuscule en plus. Voilà, attends, juste un instant, je vais juste mettre les talents de. Le talent de social que je voulais mettre à la base. Qui va te faire arracher les cheveux. Tu le connais, tu vas me détester. Vas-y, dis-moi ce que c'est, Rip. La renommée. Bah, je suis désolé, la renommée, c'est un peu un truc essentiel pour le vigilante. Mais oui, justement, je pouvais pas, j'avais oublié de le mettre, donc du coup, je vais pouvoir le mettre. Et si tu le prends pas, alors ça veut dire que... Je suis inconnu. Une bonne partie de tes pouvoirs de classe marche pas. C'est beaucoup moins efficace. Voilà, ça y est, je t'ai rajouté la renom. Donc, ce qui fait que je suis désolé, je suis célèbre, mon petit. Maintenant, mes talents de vigilante tout court. Parce que là, en fait, j'en avais mis qu'un. J'avais mis le Stalker Sense. Ah, moi, je serais d'accord pour dire que vu qu'elle les a pas mis avant, pour cette séance, elle les a pas. Non, désolé, je suis censé les avoir de base. Elle peut pas survivre sans. Elle peut pas survivre sans, donc bon. Non, c'est ça. Vous m'emmerdez, vos gueules! Ah, déjà je vais prendre le truc qui va faire de moi le parfait ninja en armure lourde. Hé, hey, comme moi. Faut d'acier, c'est ça? Non, sincèrement j'en ai pas besoin. Je te jure, j'ai vraiment pas besoin de ça. J'ai juste besoin du truc qui va me permettre de ne jamais prendre de dégâts de chute. Avec l'armure lourde, ça va être ultra drôle. Et qui a besoin d'un truc pareil quand on peut voler? Laisse-moi juste revoir. Hop, 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 hop. Non. Combien de fois par jour déjà? Deux fois par jour, c'est pas grave. Je me transforme en élémentaire de l'air, et en plus j'ai une manœuvrabilité parfaite. Attends, je cherche juste le talent qui me permettait normalement d'avoir un talent en plus. Hop, c'est pas unkillable, certainement pas. Unexpected strike.
C'est... Oui, c'est celui-là, c'est Unexpected Exploit que je cherchais. Voilà, j'ai officiellement dégainement rapide. Je suis une saloperie. Exactement. Non, mais je t'explique. Alors, mes talents... Au passage, gère la musique comme vous pouvez. Non, mais je te le dis pas, j'ai attaque en finesse, j'ai combat à deux mains, j'ai défense à deux mains, j'ai manœuvre agile. Trop bien. Je prépare pas de sort de soin. Bon, par contre, quick draw, malheureusement, j'ai un peu la flemme d'aller sur le wiki français. Oui, bah, c'est... On sait tout ce que c'est, hein, c'est oui, le... C'est bon. C'est le truc qui fait, écoutez, messieurs, dames, c'est pas que je vous aime pas, mais moi, je tiens à être rapide. Je suis paranoïaque. Mais bon, de toute façon, c'est pas comme si moi, j'avais pas... C'est pas comme si j'avais écrit la... C'est pas comme si j'avais oublié d'écrire la... ce que font mes dons, hein. Voilà, c'est bon, ah ça non, y est. Bébé, en fait. C'est bon, ça y est, c'est tout bon. T'as fait ton background, quand même. Je pensais que vous commencez la semaine prochaine. Ok. Et moi, tu as déjà mon background, Victi. Oui, d'ailleurs, il faudrait que tu m'écrives les plus gros points parce que sinon, j'en oublié certains. Mmh. Bah, écoute, j'ai qu'une chose à te dire. N'oublie tout simplement pas que ma fonction principale, c'est d'empêcher la fille de mon créateur de se caser. Alors, comment dire ? C'est vraiment une des fonctions de mon perso. Non, c'est pas ça. Comment est-ce que tu comptes accomplir cette fonction en mettant la guilde en même temps? Simple comme bonjour, je vais la séduire. Un peu dégueulasse. Mais oui, mais c'est pas contre mes protocoles. La machine qui a des émotions, une âme et tout ce qu'il faut, mais qui suit ses protocoles. En attendant, j'ai un peu de mal à la séduire. J'aime bien. Non, mais en même temps, tu sais, c'est un petit peu genre, comment on fait pour séduire quelqu'un? Tu montres ses affections. Une semaine plus tard, comment on fait pour séduire quelqu'un quand il ne sent pas réceptif à tes affections? Soit tu abandonnes, soit tu y vas plus directement. Ah, du genre utiliser une pancarte! Pile sur son pif. Avec à l'arrière, ceci n'est pas une blague. Oui, exactement. On fait comment quand on pose directement la question à la personne pour essayer d'envoyer des messages subtils, mais pas trop? Et sinon, si on commence la partie? Ouais, allez, c'est parti! Oui! Je sais pas que ton personnage, je m'en fous pour le moment, mais. Moi aussi. Ah, écoute, c'est sûr que ça faut. C'est mais sûr. Ça peut changer, Rip, c'est bon. Écoute. Ça peut changer si tu arrêtes de parler et que tu laisses Victi commencer. C'est pas de ma faute, j'aime bien Slurpee. Vas-y. En tout cas, si vous voulez commencer, mettez tous prêts dans le chat et ça sera bon. Ok. Bah, en fait, il demande très clairement qu'on fasse l'appel. Que 4 prêts soient marqués. Voilà, 4 prêts. Non, il y en a... Parfait. Comment aurait été le MJ, est-ce qu'il aurait compris, l'aurait dit? Il faut que j'arrête de cracher sur Clément. Surtout que là, on est en live. Ah ouais. Donc ça va être en plus envoyé sur YouTube. Du coup. Spontaine. Clément, c'est pas contre toi. Rattrape-toi. Bon. Alors. Éol, Tarin. Et Mademoiselle Riley. Crois, vous êtes tous les trois. Plus qu'à un certain moment.
Ça a coupé, oui. Ça a bugué, on n'a rien compris. Vous entendez une musique plutôt étrange. Merde. Attends. En fait, le plus gros problème, je pense, c'est le micro de Rick. Il est hyper sensible, comme d'hab. Mon micro est pas plus sensible que d'habitude. Je t'entends bien respirer, désolé, mais... D'accord, d'accord, j'ai compris, je suis un peu le PC. Oh, quel emmerdeur. Ah, si c'est pas moi qui... Oh, ta gueule. Ah, ça va. Personnellement, moi, je l'ai augmenté. Voilà. Normalement, tu n'entends plus rien. Bon, du coup... Tarin, Raëli et Eol, vous entendez tous les trois quelque chose alors que vous êtes dans votre chambre. Une musique plutôt rythmée que vous n'avez jamais entendue avant. Attends, pour une fois, je suis dans ma chambre ? Ah oui, c'est vrai, je me suis fait expulser de chez moi. Quel genre de musique ? Mais tu l'entends pas ? Apparemment, ça viendrait de l'entrée. Écoute, je fais comme toute bonne personne qui se respecte, je passe par la fenêtre. Oui. On est à quel moment de la journée? Vous êtes vers midi et demi. Je ne sais pas ce qu'elle a cette musique, mais elle m'indique à être badass. Et je n'ai pas les dégâts de chute. Je m'en fous, je me fais passer pour une roublarde. De toute façon, t'as pas grand-chose. Voilà, du coup, je me laisse longuement glisser le long du mur. Mais je vais voir! Attends, mais je m'habille avant. Ah, parce qu'il fallait s'habiller? Mais non, lui, il est bon, ça, c'est midi, bon. À moi que vous vous réveillez à midi et demi. Oh, ça arrive, ça arrive. Ah, j'étais avec le nain, excuse-moi. Bref. Non, on va aller voir. Du coup, vous deux, vous déplacez directement vers la couloir. Ouais. D'accord. Eh bien, vous voyez qu'il y a un grand attroupement. Et vous voyez aussi autre chose. Au milieu de la foule. Oui, bah c'est quoi? C'est moi qui chute. Un petit bonhomme justement. Un petit bonhomme justement soulevé par des gerbes de flammes. Un monument. La foule crie tout le temps. Française, française. Francis Lalanne est dans la place. Francis quoi, sérieux? Ouais. Des énormes gerbes de flammes le transportent et il est à peu près 20 mètres au-dessus du sol. Qu'est-ce que c'est que ça encore, ces conneries? Avec des moyens pyrotechniques, tout ça. Et vous le voyez, au plus largement. Vous allez faire quoi? Je vais me faire 5K, surtout, moi, sur YouTube. je sais pas, je regarde le nain, Tarin, puis je lui dis... C'est quoi ce truc? Tu connais? C'est de la magie? Oh, bah si c'est magique. Moi, personnellement, je fonce vers... Pas à voir de plus près? Ah, moi, je vais voir de plus près, hein. Une fois que je suis descendu, mais je fais péter toutes mes compétences de ninja du bled. Parce que là, on peut vraiment dire que je suis un ninja du bled. Bah oui, Refusia c'est le Mordor et le Mordor c'est la série, hein. Oui. Rip. Oui. On va se faire striker par YouTube. On sera plus striker par la musique que par mes propos, je te signe. Bon, pour le coup, moi aussi j'ai essayé de me rapprocher. Je vais me rapprocher, hein. Je prends une forme d'élémentaire d'air pour pouvoir passer au-dessus de tout le monde. Moi personnellement, je me la pète. Tu pouvais passer en dessous de tout le monde, hein. T'étais pas très très grand. Moi personnellement, pour passer, ce que je vais faire, c'est que je vais grimper sur les têtes de chacun et faire des... Whoop.